Bonjour tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'histoire du Parti communiste français. Et aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle période, celle allant de 1958, début de la 5e République, jusqu'au début des années 70, le moment où se forme l'Union de la gauche et qui est une nouvelle rupture dans l'histoire du PCF, puisque c'est à la fois une période où le PCF rentre dans une logique durable d'union avec le Parti socialiste, avec des moments plus ou moins tendus, des moments plus ou moins proches. Mais c'est également le moment où le Parti Socialiste, héritier de la SFIO, va dépasser le Parti Communiste Français, ce qui est pu arriver depuis la Libération. Et domination qui va se perpétuer au moins jusqu'en 2017, et nous verrons lors des prochaines élections qui arrivent d'ici quelques semaines, si le PCF sera repassé devant le PS ou pas. C'est une période qui n'est pas simple pour le PCF. Il faut voir que le PCF s'est opposé au retour de pouvoir de De Gaulle. Déjà, il y a eu la période où il y a eu le risque de coup d'état militaire avant la mise en place de la 5e République, où le PCF était contre. Puis le PCF était contre le retour de De Gaulle, l'accusant d'autoritarisme, de militarisme, et même parfois d'être fasciste. Ce qui est quand même un peu exagéré. On peut parler d'un bonapartisme républicain d'un De Gaulle, mais de fascisme, faut pas abuser. Mais il faut voir qu'en effet que le présidentialisme de De Gaulle était perçu par une grande partie de la classe politique française, héritière de la 3e République, comme quelque chose d'anti-républicain. Rappelons le bonapartisme, comme je vous le dis, on sait, il y a quand même pas mal de liens entre bonapartisme et gaullisme. Cependant, toutes ces forces opposées au retour de Gaulle et à la nouvelle constitution de la 5e République vont connaître un échec. Puisque lors du référendum de 1958, le PCF va s'engager fortement pour le non, mais qui ne va totaliser que 20% des voix. De plus, aux législatives suivantes, il ne va réaliser que 19% des voix, contre 26% en 1956, donc une perte de 7%. Une partie de l'électorat qui votait pour l'aspect parti de la résistance est allée vers De Gaulle, et puis De Gaulle a ramené globalement des électeurs un peu de tous les bords, plus des abstentionnistes. Donc globalement, tout ça a fait baisser le Parti communiste français. De plus, le mode de scrutin majoritaire, dans un contexte de large victoire de la droite, et d'un PCF isolé des autres forces de gauche, ne lui a pas du tout profité pour gagner des députés. Et il n'obtient ainsi seulement que 10 députés, ce qui est le plus bas nombre de députés qu'il a obtenu, excepté entre 2012 et 2017, où le PCF avait 7 députés. Il ne peut donc même pas disposer d'un groupe, par exemple de 2012, où il avait pu en constituer un grâce aux autres forces du front de gauche. Donc on est un PCF très affaibli, isolé, minoritaire. Il va cependant un peu mieux résister aux municipales de 1959, montrant là l'existence de la résistance du communisme municipal, et aux législatives de 1962, le PCF regagne une partie de sa base avec 21,9% des voix, mais sans jamais retrouver ses sommets de la 4e République. La baisse électorale va également raviver la crise interne et les critiques vis-à-vis du stalinisme, qui n'est pas totalement parti au sein du PCF à ce moment-là, et globalement on appelle la direction du PCF à se remettre en question. On a également une crise au sein de l'UEC, Union des étudiants communistes et des jeunesses communistes, avec des crises internes, notamment avec les tendances trotskistes et maoïstes par la suite. Et on a notamment du coup l'opposition entre la direction et Alain Krivine, qui va fonder par la suite du coup le Front communiste, enfin participer à la création donc, de la Ligue communiste, puis du Front communiste révolutionnaire, qui deviendra la LCR, puis le NPA par la suite. Donc là, je vous invite à aller voir nos vidéos sur l'histoire des trotskistes. On a également un début de tournant de la stratégie du PCF. L'isolement qui avait duré globalement de 47 à cette période-là, avec certes comme on l'a vu dans la vidéo précédente, des moments de plus de rapprochement avec la SFIO, mais là en 62, il y a un nouveau rapprochement avec la SFIO qui s'entame. Il y a un accord de désistement aux législatives, ce qui fait que, alors au premier tour, les deux partis se présentent séparément, par contre au second tour, on se désiste pour le candidat le mieux placé pour lui permettre d'espérer être élu. Ainsi, le PCF a gagné seulement 2 points et quelques aux élections législatives, cependant il passe de 10 à 41 députés et peut reconstituer un groupe parlementaire. Les discussions vont se poursuivre et aboutiront en 1965 à la candidature commune de Mitterrand, qui est alors un quelqu'un de hors parti, ni à la SFIO ni au PCF. De plus, le PCF est donc de son côté méfiant à l'élection présidentielle au suffrage universel, qui, comme je vous le dis, ça rappelle le triste précédent de 1848. Et de plus, ayant perdu Maurice Thorez l'année précédente, il n'a plus vraiment de leader naturel. Il décide donc de ne pas présenter de candidat directement issu de ses rangs aux élections présidentielles. Et comme en plus, lors du congrès de 1964, le PCF avait adopté l'idée de relancer une union de la gauche afin de créer une alternative à De Gaulle, cette union présidentielle se forme, même si elle aura du mal à se concrétiser sur la durée. Le PCF et la SFIO se contentant en fait d'être d'accord pour être dans l'opposition, mais n'arrivant pas encore à élaborer un projet commun. On a des unions qui sont quand même dans les luttes, notamment la question algérienne, où il y a une manifestation qui réunit non seulement les communistes, mais également les syndicats et le Parti Socialiste Unifié, qui est donc un petit parti socialiste à la gauche de la SFIO, qui va d'ailleurs se solder du coup par une violente répression à Charonne, avec 9 manifestants qui seront morts, dont 8 communistes.
À ses 8 victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. De la Bourse du Travail où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage, jusqu'au cimetière du Père Lachaise, une foule immense dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes a suivi le cortège. Cortège silencieux seulement ponctué des accents d'une marche funèbre et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement. Comme on l'a vu, en 1964, Maurice Thorez meurt et lui qui était à la tête de manière incontestable du PCF depuis 30 ans, bah ça fait quand même une rupture dans l'histoire du Parti communiste français. Et il y a donc un nouveau secrétaire national, Waldeck Rochet, ouvrier agricole, qui va enfin entamer une déstabilisation du parti et encourager aussi la sortie de l'isolement politique du PCF. Il va également chercher à créer une autonomie du PCF vis-à-vis de l'URSS, bon, on va voir encore une fois que c'est en fonction des périodes, ça va être fluctuant, mais c'est un début. Le PCF affirme son attachement au multipartisme et à une transition démocratique et pacifique vers le socialisme, ça s'est affirmé lors du 17e congrès du parti. Aux législatives de 1967, le PCF et la SFIO progressent tous les deux, maintiennent des accords de désistement mutuel, et le PCF avec 22,4% des voix obtient 71 députés. Il reprend clairement des couleurs. Ensuite on a mai 68 qui arrive du coup après ces législatives. Alors bon, raconter les événements de mai 68 mériterait une vidéo à part entière, donc on va juste évoquer rapidement la position du PCF durant ces mouvements. Clairement, mai 68 voit arriver de nouveaux acteurs sur le terrain contestataire, que jusqu'à là, la CGT et le PCF dominaient globalement. Alors certes, pendant la période de participation du PCF au gouvernement, les anarchistes et les trotskistes avaient réussi à un peu s'imposer, notamment avec la grève à Renault-Billancourt, mais du fait du retour du PCF dans l'opposition, celui-ci avait réussi à se réimposer dans le domaine des luttes. Cette fois, en effet, on a les trotskistes, les maoïstes qui ont émergé dans les années 60. Donc les maoïstes, c'est un courant qui a émergé dans les années 60, c'est issu de membres du PCF qui ont rompu avec le PCF dans un contexte de tension sino-soviétique, et le PCF a pris le parti du camp soviétique, mais une partie de ses membres ont choisi le camp chinois, et donc on fait scission, et c'est eux les maoïstes. On a également les anarchistes, on a également des mouvements écologistes qui commencent à prendre forme à ce moment-là. Donc il y a toute une mouvance qui se crée, qualifiée de gauchiste par le PCF, et qui de son côté est assez méfiante des structures traditionnelles. Alors ça, il y a des différences en fonction des mouvements, mais notamment sur tout ce qui est anarchiste, on se méfie des structures. Et le communisme soviétique est assez critiqué, considéré comme bureaucratique, et gangréné par le stalinisme. On se méfie aussi de la SFIO, qui est devenue un parti bourgeois. Donc le PCF essaie de trouver sa place dans ce mouvement. Il veut garder une place prédominante, ce qu'il va réussir en partie à faire à part grâce au rôle important de la CGT. Et notamment, il va jouer du coup, le PCF et la CGT, un rôle important dans les négociations qui vont avoir lieu suite à mai 68, et qui vont conduire à d'importantes avancées sociales, qui sont les avancées sociales les plus importantes qu'on a eues sous la 5e République. Mais c'est limité. Il a des difficultés, notamment parce qu'il a du mal à comprendre le monde étudiant. C'est pas aidé par le fait que l'Union des étudiants communistes vient de connaître une scission assez importante avec le coup de départ d'Alain Krivine et compagnie. Mais de plus, voilà, le PCF, ça reste un parti ouvriériste. Et pour lui, les étudiants, ben, surtout qu'à l'époque, la fac n'est pas encore aussi ouverte qu'aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, les fils d'ouvriers sont même rares à la fac. Mais les étudiants sont vus comme plutôt des enfants de bourgeois. Donc c'est un public que le PCF a du mal à comprendre et à considérer comme possiblement des alliés. Donc ça va être compliqué. Et les législatives suivantes de 1968, qui du coup il y a une dissolution de l'Assemblée à ce moment-là, bah, elles sont compliquées. Alors déjà il faut voir que la droite se renforce. Il y a une panique morale d'un tout l'électorat conservateur suite aux événements de mai 68, et donc cet électorat va beaucoup se mobiliser. Donc les législatives de 68, c'est une vague bleue énorme, et le PCF recule. Avec 20% des voix et seulement 34 députés. Si on ajoute à ça l'intervention de l'URSS en Tchécoslovaquie en août 1968, qui va contribuer à isoler de nouveau le Parti communiste français, puisque, alors, d'abord, le PCF avait critiqué cette intervention. Il s'était opposé, c'était la première fois que le PCF critiquait une action de l'URSS. Mais ça ne va pas durer, et en 69, ils vont se mettre à soutenir l'intervention et du coup ne pas assumer dans la durée cette confrontation avec l'URSS. La même année, on a aussi du coup, dans ce contexte-là, et pour d'autres raisons également, l'échec du projet d'une candidature commune à gauche. Il y a des discussions, mais finalement, on a la SFIO qui part avec Gaston Defferre sur une ligne très centre-gauche, Rocard pour le Parti Socialiste Unifié, donc Michel Rocard, et Jacques Duclos pour le Parti Communiste Français. Cette présidentielle est plutôt un bon résultat. 21% des voix aux élections présidentielles, c'est le meilleur score jamais réalisé par le PCF à cette élection. Mais il échoue à se qualifier au second tour, qui verra s'opposer le gaulliste Pompidou au démocrate chrétien Alain Poher.
La SFIO va rallier Power, mais Duclos va refuser de soutenir Power, et c'est là qu'on a la fameuse formule blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faudra ensuite attendre le début des années 70 pour que l'union de la gauche reprenne forme. À ce moment-là, Mitterrand a unifié les courants du socialisme au sein du PS et cherche à réaliser une union avec le PCF. Conscient d'avoir besoin de leur force militante et de leur voix pour à la fois accéder au second tour mais pour avoir une chance de l'emporter, et de plus, il se dit qu'en étant soutenu par le PCF aux élections présidentielles, il va devenir le représentant naturel de la gauche et permettre ainsi au PS et à son parti de dépasser le Parti communiste français. Là-dessus, il aura globalement raison, mais ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Petit point sur la sociologie du parti durant cette période, avant de conclure, et aussi nous verrons un peu son fonctionnement. On reste sur un parti qui est très ouvrier. 40% des adhérents sont des ouvriers du secteur privé, et si on y ajoute les employés manuels des services publics, on est sur une majorité d'ouvriers. Les ouvriers sont également majoritaires parmi les délégués aux différents congrès du Parti communiste français, nombreux parmi les élus, et ils bénéficient de plus des écoles du parti. En effet, le PCF a un système de formation par les écoles du parti, ou qui permet aux ouvriers d'aller s'y former, à la fois professionnellement, mais également intellectuellement, avec une formation historique, une formation au marxisme. Alors évidemment, toute cette formation a un but politique, voilà, c'est pas neutre cette formation, mais elle permet également une élévation du niveau culturel et même social de ces ouvriers-là. Et ça a permis quand même à pas mal d'ouvriers d'accéder à des fonctions importantes, ce qui s'est quand même pas mal perdu aujourd'hui, et quoi qu'on pense du PCF, c'est quelque chose, à mon avis, qui manque aujourd'hui. Un parti qui permet au monde ouvrier d'accéder aux hautes fonctions de l'État. On a également les fonctionnaires, du coup, qui sont très nombreux. On a également les petits paysans, notamment dans les régions historiquement contestataires et peu catholiques, également dans les régions où il y a eu un fort maquis, donc on a le nord de l'Auvergne, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Limousin, la Dordogne. Le PCF est également le parti qui a l'électorat le plus jeune et le moins religieux. Par contre, il a peu de succès chez les petits commerçants et les artisans, qui sont assez attachés à l'idée de propriété, ainsi que tous les milieux aisés qui, évidemment, sont pas très favorables au PCF. Et ça reste le parti qui a la base la plus pauvre. On reste sur un parti qui est très centralisé, alors notamment autour de Maurice Thorez, puisque jusqu'en 1964, c'est lui qui est à la tête du parti, les postes les plus importants sont assez proches, et voilà. Et en théorie, du coup, la démocratie qui est censée s'exprimer dans le parti n'a pas vraiment lieu. Un peu au niveau local, mais plus on monte dans la hiérarchie du parti, moins la démocratie s'exprime et plus c'est Maurice Thorez et l'URSS qui décident. Néanmoins, il y a également une période où il y a pas mal d'exclusions qui ont lieu, et notamment il y a mise au retrait également de cadres durant cette période, donc plusieurs cadres issus de la résistance, alors pas directement parce qu'ils ont eu un rôle dans la résistance, mais parce que du fait de leur rôle de résistant, ils ont une aura personnelle qui les rend assez autonomes du parti, ce que le PCF à l'époque n'accepte pas. Cependant, il y a des évolutions dans les années 60, avec le changement de dirigeant en 1964, et c'est à ce moment-là qu'on a un début de direction plus collégiale et que la démocratie dans le parti se développe avec quand même de sacrées limites. Nous le verrons dans les vidéos prochaines, mais voilà. Mais c'est un début d'évolution positive sur ce plan-là. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui, évidemment, n'est qu'un résumé et encore, voilà, on est à presque 15 minutes de vidéo. Et il y a plusieurs aspects qu'on peut difficilement évoquer en détail. La question, par exemple, des tensions sino-soviétiques qui ont eu un rôle important dans le PCF à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, avec les scissions maoïstes. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. On a également les tensions entre le Parti communiste de l'Union soviétique et le PCF qui commence, la crise interne de l'Union d'étudiants communistes. Autant de questions que nous n'avons pu que survoler dans cette vidéo, parce que c'est une histoire complexe, et peut-être que nous y reviendrons à l'occasion sur des points de détail. Mais j'espère que cela vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à commenter également pour dire ce que vous avez pensé, et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.